L'histoire du textile en Seine-Maritime a commencé ici, ou plus précisément, grâce à cette roue hydraulique qui utilise la force de la rivière. C'est au bord de cette rivière qu'on appelle le Cailly que l'industrialisation va se commencer avec l'époque des moulins, dès le Moyen-Âge, des moulins à blé, des moulins à papier, ici dans cette portion de la vallée, et puis au début du 19e avec l'industrie textile qui va utiliser les anciennes roues hydrauliques en construire de nouvelles, adapter de nouvelles roues comme celle-ci pour faire fonctionner l'usine textile, en particulier filature de coton. En poussant cette porte, l'ambiance paraît plus feutrée. Nous pénétrons dans une filature de coton. Nous sommes en 1825, dans la vallée du Cailly, surnommée la vallée du Petit Manchester, car la plupart des machines ici viennent d'Angleterre et d'Écosse. Il y a des dizaines de filatures, comme celle-ci, dans la vallée. 17 mètres de côté, sur 3 niveaux, et on filait ici le coton qui venait, qui arrivait par le port de Rouen, qui venait d'Amérique ou d'Égypte, mais surtout des Antilles, et qui était donc filé dans ces usines avec des machines anglaises qu'on appelait des mules génie et qui employaient déjà de nombreuses mains d'œuvre, hommes, femmes et enfants. Mais ici, c'était une petite usine. Alors, une grande usine, elles viendront plus tard, les grandes usines, mais ici, c'était une petite usine de l'époque et qui va durer une filature de coton pendant une cinquantaine d'années et qui ensuite sera transformée en corderie en 1880 avec l'arrivée de Jules Valois qui a donné son nom ici au site. Et c'est ce monsieur Jules Valois, cordier à Saint-Martin-du-Vivier, qui apportera ces nouvelles machines qui les transformera en câbleuses et en toronneuses pour fabriquer tout type de cordes à partir de bobines de coton, notamment des cordes à broche pour les usines textiles, pour les filatures et les tissages. Impressionnant, c'est impressionnant. On se trouve ici dans le bureau du contremaître. Nous sommes au rez-de-chaussée de l'usine, du bâtiment, là où il y a les grosses machines, la câbleuse, la toronneuse. Et d'ici, le contremaître pouvait surveiller le travail des ouvriers ou des ouvrières de cette petite usine qui n'a jamais eu plus de 45 personnes, quand même, mais un personnel féminin. Et le contremaître était pratiquement, avec le directeur, le seul homme de l'usine. Et c'est lui qui commandait le travail qui avait lieu ici, dans ce rez-de-chaussée. Donc c'était un travail très pénible pour ces ouvrières ici, et on peut leur rendre hommage maintenant. Avec le déclin du textile, la corderie fermera ses portes en 1978. Le bâtiment a pu être sauvé et restauré grâce à son combat mené avec Pierre Valois, petit-fils de Jules Valois, et soutenu par l'association du Musée de l'Homme et de l'Industrie, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. En 1994, la corderie Valois devint un musée, le premier musée industriel de France. C'est vrai que par la conservation de ce site exceptionnel, qui est l'un des premiers musées industriels en France de ce type, et donc une pépite au niveau national, c'est un petit peu notre grotte de Lascaux du patrimoine industriel, on plonge complètement dans l'univers de ces manufactures, de ces ateliers, de ces usines du 19e siècle. Dans ce lieu-là, on va retrouver de manière très fine les odeurs, le bruit, le mouvement et toute une organisation sociale de la société de cette époque-là qui emploie pour les usines textiles majoritairement des femmes sur ces métiers liés à la corderie et à la filature. Au musée industriel de la corderie Valois, on peut y voir encore ces machines d'époque, mues par la roue à aube, qui fait vibrer l'édifice au rythme de la rivière.
À Elbeuf, si aujourd'hui ces bâtiments anciens en briques rouges abritent des logements et des commerces, il s'agit bien du site des anciennes usines Blin et Blin, une famille qui a marqué de son empreinte l'épopée industrielle textile d'Elbeuf. L'usine Blin, c'est la première usine intégrée de la ville. Intégrée parce qu'elle va intégrer toutes les étapes de production, près d'une trentaine pour la production de draps d'Elbeuf. Et c'est la première de la ville. D'ailleurs, ce sont des immenses bâtiments en briques avec de très grandes fenêtres et des toits en shed, donc les toits en dents de scie typiques des ateliers, que l'on a conservés d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la première et ça restera la plus grande de la ville. Dans les années 1920, l'entreprise Blin et Blin occupe une surface de 100 000 m² et plus de 2000 ouvriers y travaillent. À la fabrique des savoirs, on a reconstitué en une seule pièce toutes les étapes de fabrication des draps de laine. C'est le théâtre des machines. Une dizaine de machines permettent aux visiteurs de comprendre comment on fabriquait au 19e siècle le drap de laine, avec les différentes étapes de fabrication jusqu'au tissage, puis les différentes étapes d'après qui donnent au drap de laine son aspect final. Cette machine s'appelle le Léviathan. C'est la première étape du traitement de la laine quand elle arrive à l'usine. Les laines sont importées au début du 19e siècle de France et d'Espagne, et puis plus tardivement de pays un peu plus lointains comme l'Afrique du Sud ou l'Australie. Et lorsque les laines en toison arrivent dans l'usine, elles sont plongées dans un bain d'eau et de savon, et avec ces grandes fourchettes, la laine est brassée et nettoyée, puisque la laine à son arrivée est grasse, elle est empreinte de soin, et donc il faut la nettoyer avant de continuer les étapes de production du drap. Après avoir lavé la laine, on va passer de l'étape de la fibre de laine à l'étape du fil de laine, et pour ça on utilise un continu à filer. Souvent ce sont des femmes qui travaillent sur ces continus à filer. Et toute la journée, leur travail va consister à amener la fibre de laine, la passer dans la machine, qui va, par une action de torsion, fabriquer le fil qui se dispose dans les bobines. Lorsqu'une bobine est pleine, la machine débraye, l'ouvrière prend sa bobine, la met dans un panier qui est à côté d'elle. Elle refait un nœud au fil et elle recommence. Et elle réalise cette action de façon continue pendant des journées qui peuvent durer de 10 à 12 heures. Dans une ambiance assez chaude, bien sûr, en été, sous les toits, très froide en hiver, dans une ambiance aussi très humide, puisque pour que le fil ne casse pas, il faut que l'atmosphère soit humide, et aussi sous le bruit constant des machines toute la journée. C'est presque une œuvre d'art. Cette machine s'appelle la laineuse, elle date du 19e siècle. Elle entre dans le processus des apprêts, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu notre tissu de laine, qui est passé sur le métier à tisser, il va falloir le traiter pour qu'il obtienne cet aspect un peu duveteux et doux. Et pour ce faire, on va le passer sur différentes machines, dont la laineuse, sur laquelle vous voyez il y a ces petits chardons, des chardons qui étaient cultivés dans les alentours d'Elbeuf, qu'il fallait très régulièrement les changer puisque c'est très fragile. Et ces chardons vont venir tirer la fibre du drap de laine et donc l'aérer avant que l'on passe sur un certain nombre d'autres machines. La ville d'Elbeuf, c'était un peu la ville au sang cheminé. Il y avait des usines partout dans la ville. Et dans chacune de ces usines, on retrouvait l'ensemble de ces machines dans différents ateliers. Et il faut les imaginer en très grand nombre dans chacun des ateliers. Depuis 2010, la Fabrique des Savoirs permet de découvrir tout ce patrimoine industriel du textile d'Elbeuf. Basé sur le site de l'ancienne usine des Génétés, en plein cœur du pays de Caux, un petit groupe de passionnés, autrefois salariés de cette industrie, ont créé toute la chaîne de fabrication et retracent ainsi l'histoire de la transformation du coton, où la matière sortie de la balle devient voile, ruban, mèche, puis fil.
Une partie est ensuite bobinée sur une canette pour constituer la trame et une autre ourdie pour constituer la canette, tous deux posés sur le métier à tisser pour constituer le tissu. Ici, nous sommes devant une machine qui est un métier à tisser, qui était dans les fermes à l'époque, et ça date de 1890. Ça faisait un travail d'appoint, à la limite le soir. Dans la journée, on travaillait dans les champs, et le soir, ils tissaient, ou c'était la femme qui tissait, ou qui filait pour préparer le fil, pour pouvoir le mettre sur le métier à tisser. Le principe de fonctionnement, c'est le principe, j'allais dire, de tout métier à tisser. Il faut que vous ayez dans votre fil de chaîne une certaine quantité, la moitié pour faire simple, la moitié de fils qui vont être en haut et la moitié des fils qui sont en bas, et faire passer au milieu le fil de trame. Et ensuite, dès que le fil de trame est passé, il faut inverser. Ceux du haut passent en bas, ceux du bas passent en haut, et on ramène. Ça me gêne un peu parce que on n'a quand même pas, malheureusement, comme on ne s'en sert pas, le doigté que devaient avoir nos ancêtres à l'époque sur cette même machine. Un peu plus loin, un espace est dédié à la production d'indiennes, toiles de coton imprimées qui ont fait le passé florissant et furent à l'origine du développement et de la richesse de Bolbec au 19e siècle. Alors une indienne, c'est une toile de coton imprimée. On les a appelées indiennes tout simplement parce que les premières toiles imprimées ont été importées des Indes vers la seconde moitié du XVIIe siècle. Les premières indiennes ont été imprimées à la planche de bois gravée. Et ensuite, on est passé à la machine avec les rouleaux, et notamment les rouleaux d'impression en cuivre gravés. Les échantillons ont été déposés au conseil de prud'homme de la ville entre 1825 et 1927. Et on compte 33 000 échantillons de tissu. Et parmi ces 33 000 échantillons de tissu, il y a 12 500 échantillons d'indiennes. C'est unique en France. Au travers de cet atelier du textile, l'association Bolbec au fil de la mémoire conserve la mémoire du textile de Bolbec et continue à faire vivre l'atelier. Au château de Martainville, le musée des traditions et arts normands, on propose d'embrasser l'histoire du textile du pays cauchois. Le costume est tout à fait révélateur de l'évolution des tissus, les modes de fabrication, de l'industrialisation et des différentes catégories sociales. Voyage au pays des costumes d'époque et de leur fabrication. Ici, vous avez un très beau métier à tisser du 19e siècle qui se trouvait dans une ferme dans le Pays de Caux à Valmont. Il faut rappeler qu'en Normandie, on a à peu près fabriqué tous les types de tissus, et notamment dans les campagnes, à partir de la laine, du lin et du chanvre, une multitude de tissus tels que le droguet, qui est un mélange de lin et de laine, ou les siamoises. Le travail à façon existait dans toutes les fermes en Normandie. Dans le Roumois particulièrement, dans le Pays de Caux, on fabriquait à façon soit pour un usage propre familial ou pour vendre ensuite à des colporteurs et diffuser un peu partout en Normandie. Les accessoires font partie intégrante, je dirais, de l'histoire du costume. À partir du milieu du 19e siècle, avec la mécanisation et la révolution industrielle, le costume se démocratise et les femmes, même des campagnes, ont accès à de jolies dentelles mécaniques sur leur coiffe, à des mouchoirs brodés, à des gants brodés également. Donc pour la dentelle, pour le tulle, la mécanisation permet donc à toutes les femmes de toutes les classes sociales d'accéder à ces accessoires. Il faut rappeler que le costume et les accessoires révèlent une identité sociale de la femme par le choix de la coiffe, par le choix des bijoux et par le choix de ses accessoires.
Donc nous avons ici de très jolis accessoires liés au costume, donc deux châles de mariage brodés, ces éventails, ces pochettes à mouchoirs en soie, donc qui abritent le mouchoir, et puis les rubans qui ornaient les coiffes de ces dames, et ici des petites bourses qui sont très spécifiques à notre région. Vous avez ici donc un costume 18e, on est aux alentours de 1750. C'est vraiment un costume populaire, hein, dans les milieux populaires. On porte donc la jupe de droguet, une simple chemise, un corsage. Là, vous avez un corps de femme qui correspond à ce qu'on portait au XVIIIe siècle. Et vous avez donc cette coiffe très simple. À ma gauche, par contre, un costume qui appartient plutôt à la bourgeoisie, qu'on date aux alentours de 1790. Pourquoi la bourgeoisie? Puisqu'on passe d'un ensemble jupe-corsage à la robe. Et la robe est portée dans les milieux plus aisés. Alors, on ne parle pas tout à fait encore de bourgeoisie à la fin du XVIIIe siècle, mais en tout cas des femmes de riches cultivateurs ou riches laboureurs. Donc ici, vous avez une très jolie robe en coton imprimé, donc les fameuses cotonnades qu'on appelle les indiennes, qu'on a beaucoup fabriquées en Normandie donc depuis le XVIIIe siècle. Vous avez de grands centres tels que Bolbec qui ont fabriqué ces cotonnades. Et ici, la cotonnade est imprimée à la planche de bois, donc c'est un travail tout à fait fastidieux. Et madame porte également le bonnet cauchois qui a été porté donc par les femmes dans le pays de Caux entre 1730 et 1830 au grand maximum, et qui est tout à fait unique, je dirais, dans l'histoire des coiffes en France. Nichés dans la vallée de la Seine, les jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville bordent l'église abbatiale du XIIe siècle. Des jardins où l'on peut retrouver de nombreuses variétés de plantes et de fleurs, certaines pouvaient être utilisées pour la teinture naturelle des textiles notamment. C'est à ces plantes dites tinctoriales que va s'intéresser Louis-Alexandre d'Ambournay il y a 300 ans. Cet intendant au jardin botanique de Rouen réhabilitera les plantes locales, notamment la garance, qui sera utilisée dans l'industrie de la teinture naturelle du XVIIe siècle. Comment j'ai rencontré d'Ambournay? Eh bien, en fait, à force d'explorer les livres de teinture, j'ai croisé ce nom d'Ambournay, a testé telle plante. Et j'ai vu que d'Ambournay était né à Rouen. Donc, je me suis intéressée à sa vie. J'ai vu qu'il était né en 1722, donc il y a pile 300 ans. Et plus je fouillais, plus je découvrais un personnage incroyable. Son propos, c'était de dire bah, pourquoi on fait venir des plantes d'aussi loin, des plantes colorantes d'aussi loin. Peut-être que chez nous, on a un potentiel. Et donc, c'est là, à partir de là qu'il s'est mis à explorer plus de 350 plantes normandes, indigènes ou naturalisées. Une des richesses des travaux de d'Ambournay, c'est qu'en fait, il nous éclaire sur ce qui colore et ce qui ne colore pas. Et il a écrit un recueil avec tous les procédés, les expériences qu'il a réalisées, qui a été financé par le gouvernement. Et il donne dedans ses réussites, ses échecs, ses questionnements. Donc c'est une vraie bible pour toutes les personnes qui s'intéressent en fait au pouvoir colorant des plantes. Virginie Lagerbe est teinturière coloriste depuis une dizaine d'années. Son travail consiste à révéler les gammes époustouflantes de beauté à partir de plantes colorantes communes. Ici, elle expérimente devant nous le pouvoir colorant de la gaude, une plante qui donne les jaunes les plus solides. À partir d'une décoction de réséda de gaude, ce foulard de lin sera bientôt couleur jaune d'une manière naturelle. Donc pour que le colorant puisse accrocher, il faut imprégner la fibre d'un mordant, un sel métallique, qui est le sel d'Alain. Moi, je travaille avec le sel d'Alain parce que ça fixe et ça avive les couleurs. Et vous allez voir, ça va prendre assez rapidement la teinte. On vient juste de plonger, on a déjà un petit jaune en quelques secondes. Les molécules colorantes se sont juste accrochées. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'elles se fixent.
durablement. Donc, généralement, un bain de teinture, ça dure une heure. Chaque teinturier va pouvoir donner sa pâte en choisissant certaines montées en température, une durée de teinture plus ou moins longue. Ensuite, là, on a un réséda qui est très, très jaune. C'est un travail qui, effectivement, apprend la patience. Moi, je n'y étais pas du tout, mais ça m'a... Je suis obligée de me mettre au rythme de la nature et finalement, c'est le rythme idéal. Ouais, c'est vraiment bien. Alors voilà un coffret qui renferme ce qu'on appelle la laque végétale. La laque végétale, c'est la transformation du colorant. Les colorants végétaux sont solubles dans l'eau. Un pigment ne l'est pas. Et en fait, la laque végétale, c'est la transformation du colorant soluble dans l'eau en colorant en pigment insoluble. Là, j'ai fait de la laque végétale avec de la feuille de vigne. Chaque cépage a son univers. La garance donne plutôt des roses et des rouges avec la racine. Les feuilles de pommier donnent de l'oranger. On va retrouver ces teintes en teinture. C'est mon petit coffret, c'est mon petit trésor. Ouais. Virginie Lagerbe, alchimiste en couleurs naturelles, n'a pas fini de révéler l'âme colorée des jardins et de découvrir l'entremonde de couleurs invisibles cachées dans le renne végétal. Car ces teintes découvertes varient en fonction de la nature, de l'année, de la pluviométrie et de la nature des fibres textiles. Un entremonde des plantes tinctoriales qui n'a pas fini de livrer ses secrets.